момент, когда большинство белых генералов разгромлено, непобедимая Красная Армия Aujourd'hui, nous allons aborder concrètement la finalité du conflit entre la Fédération de Russie et ce que l'on peut appeler l'Occident. Le rôle de l'historien n'est-il pas de pouvoir prédire l'avenir en étudiant justement le passé et en se détachant de toute influence idéologique ou politique? Voilà maintenant 10 années qu'une guerre sans merci est engagée en Ukraine et que les médias du monde entier racontent tout et n'importe quoi sur le déroulement ou la fin probable de cet affrontement. Cette guerre titanesque où sont engagés des centaines de milliers de combattants implique plusieurs puissances nucléaires, dont la Russie. Et même si les États-Unis, l'Allemagne, la Grande-Bretagne et la France semblent en être les principaux protagonistes dans les médias, il existe en réalité une puissance discrète, bien particulière, qui a un sérieux contentieux à régler avec Moscou depuis maintenant plusieurs siècles et qui s'emploie depuis des décennies à contrer par tous les moyens les ambitions impérialistes de la Fédération de Russie sur l'Europe orientale. Il s'agit bien sûr non seulement de la Pologne, mais aussi de la Lituanie. Dans cette vidéo, je ne vais pas vous parler de ce que vous entendez en permanence à la télévision ou sur les chaînes plus ou moins scientifiques du net. Vous allez comprendre précisément les raisons profondes et réelles de cet affrontement. Vous pourrez ainsi, de manière concrète et scientifique, non seulement percevoir, mais aussi pouvoir expliquer à votre entourage les véritables causes historiques de cet affrontement, qui n'est ni une lutte ridicule entre le bien et le mal, ni un impérialisme unilatéral et égoïste de la Russie, comme vous l'entendez dans les médias. Vous comprendrez aussi les enjeux énormes qui se jouent dans un pays qu'une grande majorité de la population mondiale, il y a encore 10 ans en arrière, ne savait placer correctement sur un globe terrestre. Enfin, vous pourrez visualiser sur des cartes réelles le partage final de l'Ukraine tel que prévu et voulu par les deux états-majors et les élites politiques russes et polonaises. Mais pourquoi final? Eh bien parce que ce partage, une fois effectué, sera figé par le principe de dissuasion nucléaire entre la Fédération de Russie d'un côté et l'OTAN de l'autre. De cette manière, aucune révision frontalière, donc géopolitique, ne pourra s'effectuer par la suite, sans craindre un affrontement armé et donc l'apocalypse nucléaire. Les conséquences d'une telle guerre seraient incalculables pour l'humanité. Pour percevoir clairement les choses, il faut quelque peu revenir en arrière.
Plus précisément, nous allons temporairement évoquer les années 1600, soit le XVIIe siècle, où des affrontements gigantesques ont eu lieu. Ces guerres en Europe orientale, sans précédent depuis les invasions mongoles de Jochi, le fils aîné de Gengis Khan, sont retenues dans l'historiographie sous le nom de guerre russo-polonaise ou Dimitriade et sont aujourd'hui passées sous silence pour de multiples raisons. Ces conflits titanesques, au nombre de trois, ont un objectif très précis. Les deux superpuissances slaves de l'Europe orientale, Russie et Pologne, se disputent l'hégémonie sur l'ensemble des peuples de la région. La République des deux nations représente l'union personnelle du trône de Pologne et celui de Lituanie. L'État ainsi formé par l'établissement de la dynastie des Jagellon à partir de 1385 est la plus grande puissance territoriale du continent à cette époque, et celle-ci s'oppose farouchement à la nation russe, alors en plein essor, qui s'est libérée peu de temps auparavant de la tutelle des Mongols de la Horde d'Or. Les guerres qui commencent à cette époque ont pour champ de bataille principal un pays que vous connaissez bien, l'Ukraine. La querelle démarre à la fin du XVIe siècle et au tout début du XVIIe siècle, au moment où la Russie est en proie à une crise économique et politique généralisée. En effet, après la mort du célèbre tsar, titre impérial venant du mot César, le fameux Ivan le Terrible en 1584, et la mort de son fils Dimitri dans des circonstances obscures en 1591, plusieurs factions se disputent le trône de Russie. En 1598, un certain Boris Goudounov, fils d'un boyard, c'est-à-dire une haute autorité de l'aristocratie slave, de lointaine ascendance tatare, prend le pouvoir sur le pays. Ce couronnement mettra fin à la très ancienne dynastie des Riurikides, qui avait régné jusque-là sur la Russie et qui avait autrefois fondé la Rousse de Kiev, autrement dit le pays lui-même. Les Riurikides étaient une dynastie d'ascendance scandinave, ou Vareg, comme on appelait alors les Vikings de l'Est, venant de Suède et ayant déferlé sur les terres slaves et jusqu'à Constantinople. Riurik, qui avait fondé la dynastie, avait été le premier souverain non seulement de la Rousse de Kiev, mais aussi de la Moscovie. La plupart des Ukrainiens voient dans ce mélange slavo-scandinave une différence ethnique notable avec les autres peuples de la Russie. En 1598, donc, la légitimité de Boris Goudounov, jugée douteuse, fut la raison de l'ouverture d'une période conflictuelle de quasi-guerre civile surnommée « le temps des troubles », qui durera de 1600 à 1618. Pour aggraver ces problèmes, les premières années du XVIIe siècle furent exceptionnellement froides. La baisse des températures fut ressentie dans le monde entier et fut très probablement causée par une énorme éruption d'un volcan, le Huenaputina, dans les Andes en Amérique du Sud. En Russie, cela entraîna une grande famine qui ravagea le pays de 1601 à 1603. Durant l'année 1600, une mission diplomatique fut envoyée en Russie par les Polonais afin d'envisager une union personnelle entre les deux immenses pays. Je vous laisse imaginer la taille démesurée de cette puissance qui aurait pu émerger à l'est de l'Europe et qui aurait couvert, à la fin de la Renaissance, une surface allant des frontières est de l'Allemagne jusqu'aux confins des montagnes de l'Oural. L'équilibre européen, de même que l'histoire du continent, en aurait été complètement bouleversé. Heureusement ou malheureusement pour l'Europe orientale et les peuples slaves, cette union ne vit jamais le jour et les deux nations ont choisi à la place une trêve après de longues guerres surnommées Dimitriade, en référence à Dimitri, le fils d'Ivan le Terrible, dont la mort tragique avait causé la fin de la dynastie et l'émergence de tous ces conflits. Les différences religieuses y étaient pour beaucoup dans cet échec d'union, puisque la Pologne s'affichait comme la championne du catholicisme, tandis que la Russie se voyait comme l'héritière de l'orthodoxie et de la culture romano-byzantine depuis la disparition de l'Empire romain d'Orient avec la prise de Constantinople par les Turcs en 1453. La ville de Moscou prendra alors le nom de Troisième Rome. À cette époque, donc, l'union de Pologne-Lituanie, malgré sa taille, n'était pas en mesure d'envahir véritablement la Russie.
Les Polonais le savaient et avaient donc mis en place une politique réussie de polonisation des populations ruthènes, autrement dit ukrainiennes, par des mariages mixtes et des écoles. Le pays s'appelait République des deux nations car il avait la particularité alors unique en Europe d'avoir à sa tête un roi élu par la noblesse. Ceci aurait pu être une force pour l'État polono-lituanien, dans le sens où le roi se devait de représenter ses électeurs. Mais ceci ne fut pour la Pologne qu'un sujet continu de conflit pendant des siècles, du fait de l'ingérence étrangère permanente. En effet, tous les souverains du continent, y compris notre futur Henri III de France, tenteront leur chance sur le trône polonais. Le rêve, à l'époque, d'une entité russo-polonaise dominée par les catholiques et combattant l'expansionnisme musulman des Turcs ottomans au sud, ne verra donc jamais le jour. Dans la volonté des Russes et des Polonais de dominer tous les Slaves, ce que l'on appelle le panslavisme, une doctrine qui s'est maintenue jusqu'à aujourd'hui, les deux peuples vont rentrer en contact avec une entité ethnique très particulière, les célèbres Cosaques. Mais qui sont-ils ? Ils sont issus à l'origine de peuples turcophones semi-nomades nommés Kouman, Zaporog ou Pecheneg. Ces populations se sont établies au sud de l'Ukraine, dans les steppes, c'est-à-dire de vastes plaines. Le territoire des Cosaques du Don, le fleuve, comprenant à l'époque ce qui correspond aujourd'hui aux oblasts de Donetsk et de Louhansk. Ces populations en armes et sur le pied de guerre permanent constituent alors un véritable réservoir de soldats mercenaires pour les trois immenses empires qui rentrent en contact en Ukraine. La Pologne-Lituanie, la Russie et l'Empire turc des Ottomans. Les trois États feront appel à eux durant toute leur histoire impériale et même les Allemands, à l'époque nazie, les incorporeront dans des unités SS lors de l'application du plan Barbarossa. Les Cosaques se vendent en effet au plus offrant, en fonction des opportunités. Si l'on résume, les Ukrainiens se revendiquent donc d'ascendance scandinave par la Rousse de Kiev de Riurik et de sa dynastie les Riurikides, de Ruthènes qui constituent un groupe de population slave installé majoritairement à l'ouest du pays, vers les montagnes des Carpates, mais aussi des Cosaques qui se sont par la suite convertis à la culture slave et qui constituent eux aussi un groupe à part d'un point de vue ethnique. Cependant, si l'on se place d'un point de vue russe, les Vareks scandinaves, les Ruthènes de l'Ouest et les Cosaques semi-nomades représentent des minorités qui ont effectivement dominé une majorité slave russophone. Ils ne sont donc que des envahisseurs qui ont dominé les terres russes du Sud. Au XVIIIe siècle, les invasions russes de la Pologne et les ingérences de Saint-Pétersbourg, la nouvelle capitale, dans l'élection des rois de la République des deux nations, a finalement entamé, décennie après décennie, la puissance polonaise. Celle-ci a finalement disparu à la veille de la Révolution française, après trois partages successifs du pays, conclus d'un commun accord entre Russes, Prussiens et Autrichiens. L'immense État polono-lituanien disparaissait donc en 1795, avant de renaître sous Napoléon Ier en tant que grand-duché de Varsovie, pour finalement disparaître de nouveau pour 120 ans, avant de renaître une nouvelle fois en 1919, grâce à l'appui de la France et de la Grande-Bretagne. Avec cette renaissance polonaise, Paris avait en tête de réduire au maximum son ennemi héréditaire, l'Allemagne, en lui amputant de vastes territoires à l'est au profit de la Pologne. Et on a vu ce que cela a donné 20 ans plus tard, en 1939, avec Danzig. De son côté, Londres, terrifié par la révolution bolchévique de 1917 et par crainte de la contagion révolutionnaire communiste, avait en tête de créer un État polonais fort sur le flanc occidental de la Russie, devant réaliser avec les États baltes et une Roumanie agrandie par la Transylvanie un cordon sanitaire anti-bolchévique. Ainsi, en 1919, la Pologne à peine indépendante s'engagea par conséquent directement dans une guerre de conquête opportune sur la Russie communiste, alors en proie à une très dure guerre civile, doublée d'une guerre d'invasion par ses anciens alliés, français, britanniques et états-uniens,
qui cherchait à remettre en place en Russie un régime monarchique traditionnel. La nouvelle Pologne de 1919 naissait donc par le fer et par le sang, avec l'objectif de se protéger de la Russie. En effet, les Polonais avaient la crainte, amplement justifiée, d'une énième disparition de leur nation. Les Russes, leur guerre civile terminée, se seraient à coup sûr, et la suite des événements le prouvera, relancés dans une guerre afin de se débarrasser, encore une fois, de la puissance polonaise rivale. C'est ce qui arrivera après les accords germano-soviétiques du 23 août 1939, conclus entre Staline et Hitler par la voix de leurs ministres Molotov et Ribbentrop. Ceux-ci prévoyaient dans leur clause secrète un démembrement et un partage total de la Pologne entre Allemands à l'ouest et Russes à l'est. À l'heure actuelle, en 2024, l'Ukraine est de plus en plus abandonnée par les puissances de l'Union européenne et par les États-Unis. Une seule puissance ne semble rien vouloir lâcher et représente non seulement le pays qui a proportionnellement le plus investi dans la guerre en Ukraine, mais également celui qui accueille 80% de tous les Ukrainiens réfugiés. Bien sûr, il s'agit de la Pologne, et nous avons vu que cette politique impérialiste de Varsovie n'est pas nouvelle et loin de là. En 2007, à la tête du gouvernement polonais, avec leur parti catholique conservateur Droit et Justice PIS et deux partis d'extrême droite Samobrona Autodéfense et LPR, la Ligue des Familles Polonaises, les frères Kaczynski renouvellent sous des formes contemporaines la vieille bataille entre les deux Polognes. La leur, celle du sang, de la race, de l'identité catholique exclusive, et l'autre, celle du sol, du multiculturalisme, de l'Europe et de l'esprit républicain. On oppose ainsi la Pologne des Piastes, la première dynastie du pays, à la Pologne des Jagiellons, la deuxième. Les Piastes fondent la catholicité par le baptême du prince Mieszko Ier en 965. Leur règne jusqu'à la mort de Casimir le Grand en 1370 enracine la centralité catholique et maintient avec force le lien entre la Pologne et l'Église de Rome. La Pologne de l'époque des Piastes ne se développe que sur le centre actuel du pays et ne s'intéresse pas encore aux immenses territoires de l'Est. La dynastie des Jagiellons de 1385 à 1572 est tout autre. Agrandie de l'immense grand-duché de Lituanie par le mariage de Ladislas Jagiellon de Lituanie avec Edwige Ier de Pologne, le nouveau gigantesque État déboule sur la scène européenne comme une puissance territoriale, décrispant son identité religieuse par la cohabitation avec des orthodoxes, des arméniens, des juifs et des musulmans qui passent sous son contrôle. En pleine guerre de religion, la Pologne accueille ainsi les réfugiés de minorités religieuses persécutées ailleurs en Europe. Les Hussites de Bohême, c'est-à-dire la République tchèque actuelle, les Mennonites germaniques et autres anabaptistes, c'est-à-dire des protestants, promulguant en 1573 la célèbre paix des dissidents qui lui vaut la réputation de pays sans bûcher, c'est-à-dire un pays d'une grande tolérance religieuse. C'est d'ailleurs pour cela que la Pologne abritera des millions de juifs à la veille de la Seconde Guerre mondiale et il en sera de même en Russie. Ces deux Polognes de l'origine, la Pologne des Piastes et la Pologne des Jagiellons, perdurent à travers les épreuves de l'histoire, des partages du XVIIIe siècle et des renaissances de la nation polonaise jusqu'à l'époque contemporaine. Deux figures opposées les incarnent au XXe siècle sous la Deuxième République polonaise de 1921 à 1939. Józef Piłsudski et Roman Dmowski. Piłsudski est le champion de l'indépendance. Il a pris le contrôle en novembre 1918 d'une Pologne qui n'existe plus depuis la fin du XVIIIe siècle et qu'il faut reconstruire dans des frontières et des institutions nouvelles. Socialiste, plus confiant en la force des armes qu'en la sagesse des parlements, il crée la République avant de la séquestrer en 1926 par un coup d'État personnel et l'instauration d'un régime, la Sanakja, régénération, autoritaire et militariste. La nation, thème central s'il s'agit d'en créer une, est pour Piłsudski le produit, le résultat de l'histoire. Le Lituanien qu'il est de naissance la voit comme une communauté de valeurs qui n'a rien à voir avec l'ethnie ou la langue de ceux qui y vivent.
Sa Pologne est une nation multinationale. Une Pologne multiethnique et multiculturelle, la Pologne des Jagiellons. Roman Dmowski est au contraire le champion du nationalisme, le fondateur du Parti National Démocrate, la NDK, pour qui la nation polonaise a toujours existé, tel un phénomène naturel voulu par Dieu. Cette nation, réunifiée autour de son ethnie et de son catholicisme, possède un droit qui l'autorise à se débarrasser des éléments étrangers en son sein. L'indépendance nationale est moins prioritaire aux yeux de Dmowski que la purification ethnique et morale de la société, selon l'idéal de la Pologne des Piastes, encore épargnée, au début du Moyen-Âge, des influences étrangères. Dmowski n'a pas exercé d'importants pouvoirs personnels, mais ses idées ont eu une forte influence. Elles lui ont survécu grâce à Staline, quand le Kremlin, pour renforcer son contrôle sur les pays satellites occupés, a joué la carte du nationalisme ethnique. Ceci permettait alors aux Russes de pouvoir faire oublier les revendications polonaises et lituaniennes d'un grand État slave concurrent de la Russie. Avec l'option de la petite Pologne des Piastes, centrée sur l'ethnie polonaise dans les frontières que nous lui connaissons actuellement, la finalité ne peut être que favorable à Moscou et conflictuelle avec l'Allemagne, qui se voit alors amputée de vastes territoires à l'est. Ces régions allemandes données par les Russes aux Polonais compensent les pertes territoriales résultant de l'annexion, en 1945, par l'URSS, des conquêtes polonaises sur ce qui est la Biélorussie et l'Ukraine actuelle, datant de la guerre de 1919 et 1920. J'ajouterai que pour les Lituaniens, la Biélorussie et son peuple sont une partie intégrante de leur nation. En Pologne, durant la guerre froide, où il n'avait jamais eu beaucoup d'adhérents, les communistes avaient le choix entre les deux options, Jagiellon et Piast. La première, celle de l'idéologie impériale, russophobe, insurrectionnelle et multinationale, à la manière de Pilsudski, ou la seconde, celle du nationalisme ethnique, russophile, rassembleur et xénophobe, à la façon de Dmowski. Les Polonais ont finalement choisi à cette époque la dernière solution. En l'absence d'une continuité de l'État polonais indépendant car soumis alors aux soviétiques, ils ont choisi le concept de la « nation de toujours » puisé dans les écrits nationalistes. Dmowski devint ainsi paradoxalement le pilier de la politique gouvernementale communiste, donc pro-russe. Tandis que Pilsudski, le héros de l'indépendance et de la guerre de conquête réussie sur l'URSS en 1919, et qui avait toujours vu en la Russie le danger principal, sa vision de l'option de la Pologne impériale des Jagiellons tournée vers l'Est était donc réprouvée. Les partis et les hommes qui gouvernent par la suite sont très marqués par cet héritage nationaliste de Dmowski. Mais les autres, avec Pilsudski, sont là. Ils étaient là en 1980 derrière Lech Walesa et le parti Solidarnosc. Ils attendaient une nouvelle occasion, l'histoire a montré qu'il y en a toujours une, et c'est avec la guerre en Ukraine que les héritiers polonais de Jagiellon ont relevé la tête et s'apprêtent donc à redevenir le pilier du monde slave faisant face à la Russie. Ainsi, l'option de la petite Pologne des Piastes qui avait depuis 1945 dominé les destinées d'un peuple polonais résigné par la domination soviétique semble aujourd'hui disparaître au profit de l'éternel espoir de Varsovie de rétablir son prestige et sa puissance impériale des siècles glorieux de la Grande République des deux nations. La guerre en Ukraine est donc l'occasion rêvée de pouvoir récupérer les territoires et conquêtes ancestrales perdues au XVIIIe siècle par les partages successifs et surtout les territoires chèrement acquis sur la Biélorussie et l'Ukraine par la guerre de 1920. Ainsi, en conclusion finale, et pour reprendre des termes établis pour la première fois par Otto von Bismarck, chancelier d'Allemagne, qui suivait en cela les traces du chancelier d'Autriche, Clemens von Metternich, lors du congrès de Vienne de 1814 et 1815, nous nous permettrons de nous essayer à un exercice de réal politique. À la lumière de tout ce que nous venons d'étudier, nous allons établir une fin probable de ce conflit en Ukraine en nous appuyant sur les souhaits et les volontés de chacun.
Ainsi, la Pologne, qui a engagé des dépenses énormes et un appui matériel très conséquent dans la guerre, vise, à n'en pas douter, à tirer profit de tout cela par des annexions territoriales aux dépens même des Ukrainiens. Il paraît évident qu'un pays de cette importance cherche à rétablir son influence historique sur la région et n'a pas dépensé des milliards pour les beaux yeux des Ukrainiens. La Galicie, avec la ville de Lvov, la Volhynie et les régions traditionnellement ruthènes sont convoitées par Varsovie. Elles constituaient autrefois le cœur même du royaume de la Pologne des Jagellons et la base même de son expansionnisme conquérant vers l'Est. Ces régions avaient déjà subi au XVIe siècle une politique de polonisation que nous avions vue précédemment. Il paraît donc évident que le gouvernement ukrainien a secrètement négocié la cession de ces régions en échange du soutien inconditionnel de Varsovie dans la guerre contre la Russie. Du côté russe, il paraît aujourd'hui certain que les ambitions du Kremlin ne se limitent pas au seul territoire du sud de l'Ukraine, ce qui correspondait autrefois au territoire des Cosaques. Les Russes ont des objectifs militaires et politiques très précis qui ont toujours existé et se perpétuent aujourd'hui dans la politique de la Fédération de Russie. Tout d'abord, Moscou ne tolérera aucune présence ukrainienne sur les rivages de la mer Noire. En effet, cet espace d'une grande importance géostratégique et économique ne doit en aucun cas échapper au contrôle russe. La mer Noire représente le seul accès libre de glace toute l'année de la Russie et c'est sa seule porte d'accès permanent au commerce mondial. Déjà, à l'époque des Varègues, Constantinople et les détroits aujourd'hui turcs du Bosphore et des Dardanelles constituaient la pierre angulaire de la politique extérieure de l'État russe. Il en sera de même pendant des siècles avec les guerres russo-ottomanes. De tout temps donc, les Russes ont vu la nécessité vitale d'accéder aux mers chaudes et le besoin impérieux de garantir leur liberté sur les mers. Sans cela, la Fédération de Russie ne peut prétendre au statut de grande puissance. Ensuite, le cœur même de l'Ukraine, autour de Kiev, ne pourra rester indépendant et échapper au contrôle de Moscou. Déjà parce que la fin de cette guerre signifiera un gel de la situation du fait du principe de dissuasion nucléaire, comme expliqué plus tôt. La Russie va donc poursuivre cette guerre encore 10 ans s'il le faut, mais elle annexera au final le cœur de l'Ukraine. Pour des raisons historiques et sentimentales bien sûr, car les Russes voient dans cette région le cœur de la naissance de l'État russe. Mais la raison principale est que l'Ukraine et sa capitale Kiev se trouvent à moins de 1000 km du cœur économique, politique et démographique de la Russie, Moscou. La frontière ukrainienne n'est même qu'à 500 km de la capitale russe. D'un point de vue militaire, quand on s'intéresse à la nécessité de profondeur stratégique de la Russie, il paraît évident que l'état-major et le gouvernement russe tiennent à empêcher la présence d'armes balistiques et d'une capacité de projection de l'OTAN aussi proche de la capitale du pays et de son cœur financier. La possibilité d'une survivance d'un État ukrainien indépendant à l'heure actuelle semble bien mince, voire impossible, étant donné les considérations des deux grandes puissances slaves historiques de la région, Russie et Pologne. Il paraît cependant évident que les Ukrainiens préféreront voir la majorité de leur territoire être annexée par une Pologne occidentalisée, démocratique et membre de l'OTAN que de subir une fois encore la domination d'un État russe avec lequel ils ont visiblement déjà trop donné. J'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à l'indiquer en commentaire, à mettre un petit pouce bleu vers le haut, et surtout à vous abonner afin de ne pas manquer la prochaine vidéo. Évidemment, je remercie du fond du cœur tous les abonnés, sans lesquels rien ne serait possible.